Témoin du temps qui passe, le massif du Jura regorge de paysages étonnants, nés du soulèvement des Alpes voisines, puis sculptés au fil des millénaires par l'érosion. L'eau, omniprésente, côtoie de vastes forêts d'épicéas et une mosaïque de paysages ouverts, façonnés par la main de l'homme et entretenus par des traditions agricoles. C'est ce territoire d'exception que chacun s'engage à préserver et à valoriser à travers la marque Valeur Parc. Producteur, hébergeur touristique, artisan du patrimoine, accompagnateur en montagne et bien d'autres, ils s'expriment d'une même voix et se retrouvent autour d'une même envie, l'authenticité d'un territoire. Ils donnent corps à la marque Valeur Parc, dans laquelle s'incarnent nombre de grands idéaux. Respect de la nature, des femmes et des hommes, de la tradition. Un retour à l'essentiel, plus que jamais nécessaire. Une montagne de sourires, de joie et d'émotions. Au cœur de cette marque, ce sont avant tout des hommes et des femmes désireux de partager leur passion et leurs connaissances. Et puis il y avait une tradition familiale aussi. Enfin voilà, moi je me rappelle ma grand-mère qui allait cueillir ses fraises des bois dans son jardin, qui faisait du jassa, qui cassis, etc. Donc il y a aussi une transmission. Nous, notre volonté, c'est d'essayer quand même de rapprocher les gens vers un boulot encore plus proche de ton territoire, encore plus respectueux de l'environnement, encore plus local, quoi. J'ai toujours baigné dans ce milieu-là, milieu agricole, animaux, voilà. Et puis moi, enfin, j'envisageais pas de faire autre chose que de l'agriculture. Une montagne d'authenticité, de tradition et de savoir-faire. Des métiers qui allient tradition et innovation pour préserver le caractère du territoire et contribuer à son économie. Beaucoup des choses qu'ils ont fait à un certain moment étaient bien faites, bien pensées. Mais donc oui, réhabilitation de l'espace, ça me va. Et donc je m'amuse bien, je dois dire. On est attaché à ce territoire, à ce parc du Haut-Jura. J'ai toujours été attirée par l'agriculture. J'adore cuisiner, discuter avec les gens. Et il y avait le petit plus où je pouvais faire l'accueil pédagogique. Une montagne de vie, sauvage et préservée. Conscients des richesses et du caractère unique du massif du Jura, nos acteurs marqués Valeur Parc travaillent dans le respect du vivant et de l'environnement. Et on essaye au maximum de faire des choses au naturel, quoi, suivant les saisons et sans trop pousser nos animaux. Enfin voilà, on les fait manger dehors. Enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes pour nous. On est à 100% dans la traite, puis la fabrication, quoi, puis les livraisons, et puis tout. Quoi. Donc je suis belge, néerlandophone, côté nord de Belgique. Je sais pas, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à venir ici pour faire spéléo. Et moi, j'ai toujours aimé ce paysage. Ça m'a impressionné. Ce moyen montagne, ça me va très bien. J'ai connu la Pesse, je devais avoir 20 ans. Je suis venue en vacances une fois ici. Et j'ai toujours gardé ce village au fond de moi. La marque Parc, c'est le seul cahier des charges aujourd'hui qui me permet de valoriser toute ma démarche. On a vraiment envie de préserver ce lieu et les autres lieux, hein, c'est pas que le chez nous. Cette marque, elle est... ouais, pour moi, elle représente quelque chose. Plus qu'une marque, c'est une reconnaissance d'un travail respectueux, le résultat d'une alchimie entre l'homme et la nature. Des alpages du Mont d'Or, dans le Doubs, à la vallée de la Valserine dans l'Ain, en passant par les combes du Jura, venez à la rencontre de ces passionnés, amoureux de leur métier, et contribuons ensemble à un modèle de société locale, solidaire et durable. Cette sorte d'appartenance comme ça à un secteur préservé, on est des privilégiés.